je reviens avec une vidéo concours. Alors, je tenais à vous remercier mille fois pour votre fidélité, tout simplement. Alors, nous avons atteint à ce jour 6000 abonnés. Franchement, je suis trop contente. Voilà, et j'ai envie de vous faire un petit concours. Alors, un concours participatif comme l'autre jour, donc, enfin, comme au concours des 3333 abonnés. donc, je vais vous faire faire un concours participatif. Donc, m'envoyer une créa par courrier. Et voilà. Alors, je vais directement vous donner les conditions de participation au concours et vous montrer à la fin les lots. Comme ça, vous pouvez choisir si vous voulez un des lots. Enfin, participer pour un des lots ou pour plusieurs. Il y en a trois que je dois encore alimenter, mais je vais vous montrer de toute façon déjà ce qu'il y a. Et par après, ben, tout doucement, j'alimenterai les lots et je vous le montrerai certainement en faisant les vidéos de réception de vos courriers. Alors, les conditions pour participer à ce concours, bien évidemment, c'est être abonné à ma chaîne YouTube. Hein, même pas besoin de le dire. Alors, j'aimerais bien que vous me fassiez une création maximum de taille A5. Alors, vous comprendrez pourquoi par la suite, quand vous allez voir les premières vidéos de réception de votre courrier. Voilà. Parce que, donc, l'autre fois, je vous avais demandé des créations pour décorer ma scrap room. Comme vous le savez, je me suis séparée, machin, rien. Là, j'ai plus vraiment de scrap room à proprement parler. J'ai un coin scrap et je ne sais pas exposer vos créations. Donc là, j'ai décidé de faire quelque chose. Vous verrez. Je vais directement mettre en scène vos créations. Vous verrez de toute façon à la réception du premier courrier. Alors, donc au max, un format A5. Ça peut être plus petit, mais pas plus grand que le format A5. Alors, le format A5, je l'ai marqué ici. C'est grand max 14,5 cm sur 21. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur internet les formats du A5. Mais voilà, ça peut être plus petit, mais pas plus grand, si possible, s'il vous plaît. Donc voilà, une petite créa avec vos mimines. Donc ça peut être n'importe quoi, hein, une ATC, une carte, une page, voilà. Tant que c'est pas plus grand qu'A5. Ça fait 6 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Alors... dans la barre d'infos, je vous mets mon adresse email et donc là, vous me demandez mon adresse postale, donc par email, en me donnant votre prénom et votre pseudo YouTube, ainsi que votre date de naissance pour m'assurer que vous avez quand même plus que 18 ans pour participer à mon concours. Voilà, voilà. Alors, très important, ne m'envoyez pas, si vous avez mon ancienne adresse, ne m'envoyez pas de participation à l'ancienne adresse. C'est dévié, mais bon, vaut mieux pas. Demandez-moi l'adresse là par email, c'est beaucoup mieux. Alors, dans votre courrier, dites-moi pour quel lot vous participez. Donc, il y aura trois lots. Vous pouvez en choisir un des trois ou, genre, vous me dites, ben, je participe pour le lot 3 et le lot 1, ou alors pour les trois lots, ça, c'est comme vous voulez. Donc, ça, vous me le mettez... avec votre participation, vous mettez peut-être un petit papier à part avec le lot auquel vous participez, pour lequel vous participez plutôt. Et n'hésitez pas à me communiquer vos chaînes, vos Instagram ou autres pour que je puisse partager tout ça quand je fais la vidéo présentation de vos créations. Alors maintenant, il se peut qu'il y ait une personne ou autre qui ne veut pas que je montre la création en vidéo. N'hésitez pas à me le dire aussi. On ne sait jamais, ça m'étonnerait qu'il y ait le cas. Mais si c'est le cas, ben, il n'y a pas de souci, dites-le moi dans votre courrier. Donc, ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais vous montrer les lots, comme ça ben, vous saurez me dire quel lot vous préférez. Ce sera peut-être les trois. Alors n'oubliez pas que je vais continuer à alimenter les lots, mais ça je vous montrerai de toute façon dans les vidéos présentations de vos créations. Voilà, donc je vous remercie encore 50 000 fois, hein, même si on n'est que 6 000 abonnés, mais je vous remercie 50 000 fois de votre fidélité, de rester présent sur ma chaîne, malgré le fait que je change aussi
de scrap, de façon de scraper, parce qu'avant c'était beaucoup des pages et du project life, et là j'ai plus muté vers du journal créatif. Voilà, donc franchement, je vous remercie pour tout, pour votre fidélité. Bienvenue aussi aux nouvelles abonnées. Si vous arrivez sur cette vidéo, sur cette vidéo-là, concours, et que vous participez, ben, soyez la bienvenue. Voilà, maintenant je me dis que une vidéo, j'aime bien faire une vidéo, enfin un concours participatif, parce que je me dis que quelqu'un qui veut ça rien que pour le cadeau n'enverra jamais de création ni rien du tout. Donc voilà. Alors oui, aussi une chose que je voulais vous dire, parce que dans mon précédent concours, certaines personnes m'ont envoyé des cadeaux et compagnie. Voilà, c'était très très gentil. Mais les envois postaux sont hyper chers et des fois je voyais les montants, je me disais, oh mon Dieu! Donc n'hésitez pas si vous. Maintenant, ça sert à rien, je vous dis, ne m'envoyez rien de plus parce que vous le ferez quand même. Enfin, j'ai dit ça dans ma précédente vidéo et vous m'avez quand même envoyé des petits cadeaux. Mais n'hésitez pas à me demander mon point relais si vous voulez m'envoyer quelque chose en plus parce que voilà, j'ai pas envie que vous dépensiez 15 euros en envoi. Enfin, j'ai eu certains cas la fois passée et franchement, quand je voyais ça, je me disais, mon Dieu. Ben voilà, vous faites ce que vous voulez de votre argent, hein, mais voilà, n'hésitez pas à me demander le point relais. Ou si vous habitez en Belgique, pas très loin de chez moi ou autre, qu'on se rejoigne pour me donner enfin, la participation de main à main. Voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Bref, je passe à la présentation des lots. Alors, voilà donc le premier lot, donc lot number one. Je les ai mis dans des pochettes comme ça je m'embrouille pas entre les lots. Alors, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur du premier lot. Donc, retenez bien, pardon, que c'est le premier lot, number one. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai mis ici une planche de tampon alphabet. J'espère que vous voyez bien, il fait assez sombre et mes lumières, enfin mon GSM ne supporte pas mes lumières. Il y a des lignes qui se font dans mon écran. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez une solution pour pas avoir de lignes dans les écrans avec les lumières artificielles. Vous voyez, quand je fais ça, ça fait une lumière, ça fait des petites lignes. Quand je donne trop de lumière au niveau de l'écran, ça fait des lignes. Bref, donc une planche de tampon alphabet comme ceci, donc c'est de la récup, hein. Ça vient de ma réserve personnelle. Il y a des choses qui sont de récup et d'autres tout à fait nouvelles. Alors ici, un petit carnet comme ceci avec Marie. Donc ça, j'avais acheté ça, je ne sais plus où. Voilà, il fait sombre, ça m'énerve. Ensuite, il y a cette planche de stickers ceci. Donc des puffy stickers avec les motifs ici. Franchement, c'est mignon comme tout, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a cette planche encore de puffy stickers avec des renards. Je me dis que c'est de saison. Et puis les renards, hein, c'est toujours mignon en toute saison. Ensuite, il y a une planche de tampon comme ceci. Alors ça, je l'avais acheté en double sans faire exprès, donc je vous le mets dans le concours. Ici, il y a un porte-clés comme ceci avec une licorne. Voilà, j'avais acheté ça chez Craftelier, je crois, il y a un petit moment. J'ai mis du washi tape. Donc, il y a ce washi tape-ci, du vert tout simple et celui-là. White Love, dans les tons bleu marine. Ensuite, j'ai fait un petit sachet avec plein de die cuts différents. Donc de différentes marques, des stickers, des die cuts. Je vais vous montrer vite fait. Donc, je les expose là comme ça. Il y a un peu de tout, hein. De vous faire un petit zoom comme ça vous verrez mieux.
C'est des images un peu transparentes. Des badges, des embellissements en bois. Franchement, j'ai mis un peu de tout. Ouais, je vous montre assez rapidement, hein, comme ça. La vidéo ne dure pas non plus 1000 ans. Ce serait bien. Carte, profitez de l'instant. Ouais, je vous mettrai aussi des découpes et tout ça, mais ça, je ne l'ai pas encore fait. Toutes des découpes et des tamponnages, ça, je vous en mettrai, mais je vous montrerai au fur et à mesure. Je ne les ai pas encore fait, donc voilà. Voilà pour ce qui est des die-cuts et stickers. J'ai mis des cartes de Project Live, pardon. Désolée pour le zoom des zooms. Donc voilà, j'en ai mis un peu de différentes marques. Alors même si je fais plus de project live, c'est toujours des choses qui peuvent me servir. Personnellement, moi, je les ai gardées. On peut s'en servir pour toute autre chose que du project live. Voilà, en gros, hein, je vous montre pas en détail, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Voilà pour ce qui est des cartes de ce premier kit. Et j'ai mis quelques pages de papier comme ceci, 15 x 15. J'en mettrai peut-être encore plus, je ne sais pas. Je vous dis, hein, au fur et à mesure, vous verrez ce qui s'alimente ou pas dans les lots. Voilà donc pour ce qui est du premier lot. J'espère que ça vous plaît. Voici le lot numéro 2. Alors comme dans l'autre, j'ai mis des pages 15 x 15. N'y a que du recto, il n'y a pas de verso. Je vous montrerai après ça. Des cartes de Project Life toujours, de différentes marques, encore une fois. Des petits formats. Voyez, en gros. La même planche que l'autre lot, Puffy Stickers Renard. Un petit carnet comme dans l'autre lot, cette fois-ci holographique. Il est vraiment joli, j'aime bien. Holographique. Ensuite, j'ai mis encore des washi tape. Alors là, j'ai mis ceux-là. J'ai mis un rose comme ceci. Le Focus Pocus, merci. Un comme ceci et celui-là. Celui-là, il est beau. J'adore, je l'ai. Je l'avais acheté, je crois, à Maison du Monde. Il y a la fameuse planche de tampons que j'avais achetée chez. Pas chez, mais à l'expo. Comment encore? Oh là là. Version scrap. Voilà. Donc, tampon alphabet. Franchement, j'adore. La planche-là, je l'ai et j'utilise quand même pas mal. Ensuite, encore un pochon avec plein de die-cut et compagnie. Il n'y a pas forcément les mêmes choses que dans les autres lots, c'est logique, j'ai pas tout en double. Mais je vous montre, hein, ce que j'ai mis. J'ai vraiment essayé de faire proportionner, hein, et ce que je rajouterai, ben, ce sera pareil, je proportionnerai. Un petit toutou. Il est trop beau, j'adore. Ça, vous voyez, c'est toutes des choses que j'avais en double, que je vous ai mis aussi pour vous. Je les ai dans mon matériel, mais je vous en mets aussi pour vous. C'est bien aussi quand on achète des collections où il y a des choses en double, ça permet de faire des échanges
ou ici comme moi de pouvoir vous mettre des choses dans les concours. Flamouchiquet. Voilà, je vous montre rapidement encore une fois. Franchement, j'espère que ce petit concours vous fait plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Et j'ai hâte de recevoir vos créations et de vous montrer ce que je vais faire avec. Là, ça va être utilisé directement, vous allez le voir. Hein. Et avec ce que vous m'avez envoyé dans l'autre concours, je vais certainement faire plus ou moins la même chose que ce que vous verrez en temps voulu. Voilà, voilà, voilà. Voilà donc pour ce qui est du lot numéro 2. Donc, je me répète, hein, mais vous participez pour n'importe quel lot ou pour tous les lots. Voilà, donc si par exemple, je tombe sur une personne qui a... Je tire au sort une personne qui a choisi tous les lots, ben, je retirerai au sort pour savoir quel lot je fais gagner à cette tierce personne. Ensuite, le lot numéro 3. Pareil, on ne change pas une équipe qui gagne. Des cartes de Project Life. Je vous montre les deux côtés, plus ou moins. Voilà. Des pages 15x15. Une planche de tampon. Donc ça, c'est de la marque, je ne sais plus. Docraft. Donc c'est toutes des formes géométriques comme ceci. Encore le même Puffy Stickers Renard. Ça, je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, ben, je vais directement en prendre trois pour les trois lots, tout simplement. Les cartes de Project Life, grand format. Un petit bloc 15x15 comme ceci. Il est trop beau, celui-là, je voulais absolument vous le mettre. Il est vraiment magnifique. Magnifique, ma chérie. J'aime toutes les pages de ce bloc. C'est assez rare, mais voilà. Comme quoi. Ensuite, des washi tape. Oups. La luminosité est vraiment merdique. Hein. Comme ceci, il y en a celui-là et celui-là en imitation bois. Et ensuite, les die cut encore une fois. Hop. Alors, il y a des badges. On va faire un petit zoom. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais c'est pas grave. Vous voyez de toute façon... J'espère que la vidéo va pas être trop longue, du coup que je vous montre vraiment tout en détail quasiment. Je suis vraiment contente de pouvoir vous offrir tout ça. Voilà, c'est du matériel que j'ai accumulé. Et tout ça, et tout ça. Et des choses en double. Des choses que je sais que je ne m'en servirai pas. Vaut mieux que ça tourne. Hein? Des petites feuilles comme ça. Ça, j'adore. Franchement, dans mon journal, ça va bien me servir au printemps. J'en ai encore plein, hein? Vous inquiétez pas, je ne vous ai pas tout mis. Des petits flamouches. J'adore, ceux-là, ils sont trop mignons. Il y a eu toute une mode avec les lamas. J'espère qu'un jour, ils vont le faire avec les chèvres. Vu que j'ai deux chèvres. Ah, je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais enfin, pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, du coup, vous ne le savez pas. Mais nous avons adopté une deuxième chèvre pour que Malou ne se sente pas trop seule. Voilà. Un loup. Une grande clé comme ceci en bois et ceci. Donc ça vient de la boutique Lanoub. Ça ne s'appelle plus comme ça. Je retiens que la boutique Lanoub. Son nouveau nom, je ne sais plus. Je vous avais mis de toute façon le lien dans une précédente vidéo.
Et de toute façon, je pense que si vous marquez la Noob sur Google, ça retrouve quand même sa boutique. Donc voilà pour le troisième lot. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà, tant que j'y suis, que j'y pense, je vais vous remplir la petite enveloppe. Alors, que vais-je mettre? Je pioche dans mes affaires. Ceci et ça. Voilà. Vous connaissez le principe de la petite enveloppe. Donc, je la remplis à chaque vidéo. Une fois qu'elle est remplie, je tire au sort une vidéo dans laquelle j'ai rempli cette enveloppe. Quand j'ai tiré cette vidéo au sort, je tire au sort un des commentaires. Voilà, j'espère que c'est clair. À chaque fois, je le répète quand même un petit peu pour les nouveaux et nouvelles abonnés. Voilà, donc ben, j'espère que ce petit concours vous fait plaisir et que vous serez malgré tout nombreux à participer. J'ai hâte de recevoir vos créations. Donc, je vous mets toutes les conditions et mon adresse email en barre d'infos. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!